assurez et défendez les drapeaux. On sécurise Alpha. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo bilan de ma chaîne en ce mois de janvier, parce que on va dire que j'ai voulu bien, j'ai voulu même très bien. Donc le bilan consiste à parler, que ce soit des vues, de nombre d'abonnés, des j'aime, des j'aime pas, des commentaires, des vidéos, du top 10 des vidéos les plus vues sur ma chaîne ce mois, en ce mois de janvier. Enfin, alors au moment où je fais la vidéo, on est le 2 février, donc c'est pour ça. Donc je cumule alors 2020 vues, 2020 vues, c'est quand même pas négligeable, alors que le mois dernier j'ai fait 1700, donc j'ai fait un peu plus de vues. Ensuite j'ai gagné 19 abonnés, et d'ailleurs j'ai pu remarquer que depuis que j'ai 65 abonnés, tous les jours je gagne un abonné. D'ailleurs je viens de voir qu'on est 72, hier on était 71, avant hier 70, ça monte tout le temps, donc c'est assez bon aussi. On est à 65 j'aime, ce qui est vraiment pas mal non plus, c'est plus que la qu'au mois de décembre. 23 j'aime pas, bon 23 j'aime pas, mais de toute façon les j'aime pas, de toute façon il y en aura tout le temps, rien de faire. 116 commentaires, alors je sais pas s'il y a bus au niveau des commentaires, parce que 116 commentaires, et je m'en souviendrai s'il y aurait eu 116 commentaires quand même. Je sais pas si c'est bien compté, je me le demande. Je sais pas, mais bon, si c'est marqué, c'est que ça doit être ça. Ensuite, mes vidéos ont été partagées une fois. Bizarre, mais pourtant moi je vois plus dans mes notifications. Ça doit être pas trop bien compté non plus. Alors, on va voir au niveau du top 10 de mes vidéos les plus vues. Et là, on va voir que il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Call of Duty qui ont cartonné ce mois-ci, enfin au mois de janvier. En tête, on a ma vidéo déballage de jeux PlayStation 2 plus adaptateur pour jouer en ligne, qui a fait 395 vues. Et un j'aime. Ensuite, on a la déballage de la PS3 FAT 60Go, qui a 264 vues. Ensuite, je démonte une PS3 FAT état dégueulasse, qui est en 3ème position, avec 239 vues. Ensuite, on a la déballage de la Xbox première génération qui fait 225 vues. Ensuite, on a la vidéo Setup Gaming 2 qui fait 196 vues. Ensuite, nous avons le déballage de la PlayStation 2 FAT qui fait 144 vues supplémentaires. Ensuite, nous avons le gameplay au sniper morse une balle. Ouais, où je parle du sniper, du mode une balle. Ensuite, on a mon avis définitif sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc, Call of Duty, il y a quand même quelques gameplay Call of Duty. Ensuite, on a déballage de PS3. Ensuite, nous avons en 10ème position le gameplay, gameplay Call of Duty Advanced Warfare. Donc, cette vidéo elle dure que 6 minutes, je sais plus trop en quoi je l'ai. Est-ce que j'ai parlé de trop dessus? Mais voilà, donc en Call of Duty, il y a quand même plus de Call of Duty en tête que le mois dernier. Ensuite, où je suis vu, j'ai suivi en France, en Belgique, au Maroc, au Canada, à La Réunion. Donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres statistiques à vous faire montrer. Je vais regarder s'il reste beaucoup de temps. Oh, et moi ça tonne de temps. Voilà, donc au mois de janvier, donc on va aller au mois de décembre. Donc voilà, au mois de décembre j'ai fait que 1491 vues. Et en janvier, 2020 vues. Donc 2020 vues, c'est pas mal. Bon, par contre, voilà, enfin, après Facebook il m'a beaucoup aidé. Maintenant il faut que je me démerde sans Facebook. Bon, niveau vues, je me casse un peu la gueule, même beaucoup. Et je fais même pas de vues sur mes vidéos Call of Duty maintenant. Mais étant donné que j'ai mon nombre d'abonnés qui cesse d'augmenter tout seul, je garde espoir quand même. Bon, donc voilà, on va pas chipoter. J'avais quoi d'autre à vous dire? Donc on est je vais bientôt faire une petite vidéo sur Black Ops 2. J'ai enregistré un gameplay il y a pas très longtemps. Bon, c'est pas un gameplay de ouf, mais elle dure 7 minutes. Je vous la commenterai. D'ailleurs, le sujet de la vidéo sera bien précis. Ça sera quel est votre Call of Duty préféré. Et puis voilà, moi ça fera une bonne chute vidéo supplémentaire que je vais m'occuper de faire après, étant donné que je me fais chier la bite. Ah, quoique, il est déjà tard. Donc là, bon, je vous ai même pas parlé du gameplay, je crois. On est quand même sur un gameplay à la K12 en domination sur la map
sur la map Recovery, je crois. Oh, il nous marque pas, dommage. Je sais plus si c'est Recovery. Bah, si je me trompe, excusez-moi. Je sais pas du tout le score que je vais faire. Je crois que je vais faire une assez bonne partie. Je me souviens plus tellement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, bah, y a, normalement, il y a une mise à jour qui va sortir sur Call of, mais elle est pas encore sortie. D'ailleurs, c'est assez relou, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Je l'attends avec impatience parce que ça améliore l'HBR, ça améliore certaines armes encore. Ça punit un petit peu le système hack qui avait été beaucoup trop utilisé et abusé pour mon goût, je trouve. D'ailleurs, ça, c'est un des seuls trucs qui me cassait les couilles sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc, le voir patché et qu'il soit quasiment plus inoffensif, bah, c'est tant mieux parce qu'on m'en va plus le voir. Ensuite, il y a un autre truc qui déçoit pas mal les snipers, c'est que la barre des feeds a été patchée. Bon, sur Xbox One, c'est seulement actif sur Xbox One pour l'instant. La feed est passée à 4 secondes. C'est quasiment impossible de feeder, donc pas mal de snipers se sont plaints sur certaines vidéos, hein, comme Skyros ou d'autres hein, même. Et c'est un peu normal parce que quand même, la communauté sniper s'est un peu fait chier à la gueule. Mais bon, après, on peut espérer qu'il augmente un petit peu le temps en seconde de la barre des feeds, parce que bon, avant elle était peut-être un petit peu trop longue, mais là c'est beaucoup trop rapide, donc c'est un petit peu dégueu. Donc oula, ok, le mec, ok, je sais pas si je peux voir mon score. Non, on peut pas, c'est dommage. Donc je vous parle. Donc ensuite, ouais, bon, quelques petites informations comme ça de mes name, hein. Je vais finir le gameplay en parlant de tout ça. Finalement, j'avais recréé un compte Facebook, donc mais j'avais recréé deux comptes Facebook après ma page. Bon, je me suis fait bloquer mes deux comptes. En fait, j'ai repris ma page Facebook que je ne supprimerai pas définitivement. Enfin, que je ne supprimerai pas finalement, parce que sinon, il n'y aurait plus rien. Puis bah, en plus sur ma page. Ça monte aussi en abonnés, hein. Il y a pas mal de gens divers qui s'y mettent à s'abonner. Donc bon, je vais la garder. Hein. Alors, je suis sur mon ordinateur, je vais regarder si j'ai pas une nouvelle personne qui sont venues. Donc on peut voir que c'est un gameplay à la K12 qui est dynamique comme d'habitude. De toute façon, si un jour je vous voyais un gameplay de moi non dynamique, que je campe beaucoup, c'est que je suis tombé bien bas. Hein. Non, c'est clair net. J'ai toujours rushé sur un Call of Duty. Même sur mes premières parties, hein, à l'époque c'était sur MW3, bah, je rushais déjà comme un porc. D'ailleurs je me faisais défoncer, d'ailleurs ça me portait un peu préjudice, mais bon. Aujourd'hui, au niveau du rush, bah, ça m'a donné le niveau que j'ai. Et c'est plutôt sympa. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai mon ordinateur qui rame, je peux pas aller sur ma page, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu me casses les couilles mec, tu me donnes ma page ou sinon ça va mal aller pour toi. Ensuite j'ai vu aussi que ma vidéo, comment elle s'appelle, où je rage, a été appréciée quand même, donc ça fait plaisir. Ensuite mon passage prestige 2, pas mal aussi. D'ailleurs mon prestige 3 il va bientôt le passer parce que je suis level 44, donc ouais, bientôt. Mais en ce moment je joue pas beaucoup, je joue même très peu. J'ai envie de rejouer quand ils nous auront sorti la mise à jour sur la version PS4 et pas sur PS4 quoi, parce que la mise à jour ils ont patché la barre des feeds, ils ont amélioré certaines armes et qu'ils ont patché le système hack, n'est pas encore sorti sur PS3 sur PS4 aussi, enfin sur PS3 et PS4 quoi, donc voilà. Donc à vrai dire j'attends ça parce que ça me saoule un petit peu. Donc voilà. Bon, le gameplay va bientôt toucher à sa fin je crois. Dans une petite minute c'est fini. Donc j'ai même pas pu aller sur ma page. Sympathique, je sais pas ce qu'il a, c'est en foulure. Bon, je parle un petit peu pour rien dire là. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Étant donné que j'ai pas trop. J'ai meublé un petit peu parce que j'avais pas pris en compte que ça aurait duré aussi longtemps. Ah ouais, là j'ai loupé beaucoup quand même. Je suis un petit peu déçu, ouais. Je me souviens être pas mal déçu. Alors, voyons voir. On va aller sur ma petite page. Hop. Voilà, au moment où je vous parle, j'ai 34 abonnés sur ma page Facebook. C'est pas mal. C'est cool, ça fait plaisir quand même. Charlie.
Bon. En tout cas, bon, j'espère que la vidéo t'aura quand même plu, même si la fin, bon, mon commentaire est pas terrible. J'espère que la vidéo t'aura quand même plu, n'hésite pas à lâcher ton petit like, pour laisser ton avis, ton commentaire. Ensuite, des petites suggestions vidéo en termes de Call of Duty. Si tu voudrais voir du ancien Call of Duty, moi perso ça me dérange pas du tout. Ça fait longtemps. Des jeux comme Code 4, tout ça, que ça fait, bon, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché depuis Advanced Warfare qu'il y a. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton avis, ton commentaire. On va quand même regarder un petit coup le score si je le fais montrer. Ah, je pensais que c'était moi la kill cam, mais non. Ah voilà, je fais quand même un petit 27-14 en domination à la K12. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!